la frontière libano-syrienne. Jusqu'où iront-ils? Jusqu'où nos gouvernants resteront-ils dans cette inaction complice qui, en quelque sorte, cautionne les massacres qui sont en cours? Oui, Macron est complice aujourd'hui de ces crimes. Ils n'ont rien fait pour mettre fin à la machine de guerre israélienne. Ils n'ont rien fait pour sanctionner Israël. Et avec cette impunité, bien sûr, qu'Israël peut aller toujours plus loin dans ses crimes et dans ses agressions contre nos peuples. On est des milliers aujourd'hui et on va lutter ensemble. On n'a pas peur de leur garde à vue et de leurs menaces. Intifada, intifada. Mes pensées fraternelles vont au Liban et au peuple libanais. Le Hezbollah prend depuis trop longtemps le risque insoutenable d'entraîner le Liban dans la guerre. Israël, quant à lui, ne peut sans conséquence étendre ses opérations au Liban. La France exige le respect par chacun de ses obligations le long de la ligne bleue. Nous agirons donc pour faire émerger une voie diplomatique indispensable afin d'épargner les populations civiles et empêcher une explosion régionale. Il ne doit pas, il ne peut pas y avoir de guerre au Liban. C'est pourquoi nous appelons avec force Israël à cesser l'escalade au Liban et le Hezbollah à cesser les tirs vers Israël.